chocolate croissant from Starbucks is a fake. Ça m'a ressourcé. J'ai adoré cette ville. Comme toute expérience, celle-ci touche à sa fin et aujourd'hui sera le 11e et dernier épisode de cette aventure en Floride. Mais ne vous inquiétez pas, il reste encore quelques sorties de prévues et d'autres qui ne l'étaient pas vraiment mais qui restent fun. Back a year ago. I'm so happy. Are you happy? So fucking happy. Can I start, Mom? Yeah. Thank you. Yeah, let me go. So you think natural disaster is coming? Yeah, maybe she's right. We gotta go. That's a signal. The birds flying. Maybe. So many birds flying in the sky. There you go, I sent you 1,000 photos. I hope you enjoy your 1,000 photos. Thank you. Oh, we can't see you. I am the darkness. No, we actually cannot see you. It's too dark. Look, it's so beautiful. Yeah, it looks so nice on your screen. But probably when you look at it back later, it'll look like shit. Shit. Et du coup, bah, j'ai pas fait grand chose depuis la dernière fois que je vous ai parlé. J'ai été manger coréen. Je regarde mon petit emploi du temps. J'ai été manger coréen. J'ai été hier soir dans le centre-ville avec Sam pour regarder les décorations de Noël. Se balader, tout ça. Bref, et du coup, ce matin, j'ai eu cours, j'ai travaillé, voilà, une journée banale. Mais du coup, il y a un truc que j'ai fait. J'ai acheté un billet d'avion direction Chicago. What? Voilà, c'était absolument pas prévu. Mais donc, Sam m'a invité chez lui, et c'était très gentil de sa part. Très gentil de la part de sa mère également, et du coup parce que c'est une ville que je voulais absolument visiter dans ma vie, pas forcément maintenant mais dans ma vie, et du coup l'occasion s'est présentée. Donc les examens finaux sont la semaine prochaine, donc là c'est en mode what, mais tu vas à Chicago alors que tu as des examens finaux? Oui, il est vrai, mais tout est en ligne. J'ai déjà même des examens à faire, donc je vais faire le plus possible avant de partir. Je pars de dimanche matin à mardi soir, ce qui est pas mal en vrai, parce que ça fait quand même 3 jours. À la base on avait prévu de faire ça plus longtemps, sauf qu'au niveau de la logistique, tout ça, bref, c'était plus simple que je revienne le mardi soir. Donc voilà, je suis très très contente. J'essaye de me calmer et de me dire que tant que je ne suis pas dans l'avion, rien n'est joué, parce qu'ici il y a tellement de rebondissements et tout, avec le variant du Covid qui est arrivé en Europe, qui va pas tarder à se propager partout.
Donc je me calme et je me dis que tant que je n'ai pas le pied à Chicago, rien n'est joué, mais je voulais juste quand même vous dire la nouvelle. Parce que c'est... J'en perds mes mots, quoi. Donc voilà, là j'ai des trucs à faire, j'ai cours dans une heure, je dois aller à l'autre bout du campus, imprimer des papiers, aller chercher à manger, bref. Du coup, je suis pas en avance, du coup je vous laisse. L'image, mais c'est comme ça que vous m'aurez. Du coup, aujourd'hui c'était une journée un peu compliquée, on va pas se mentir. J'étais un peu fatiguée, les cours, tout ça. On arrive au bout, mais c'est vrai que c'est fatigant, c'est très très fatigant. Mais du coup, comme vous le savez, je pars à Chicago, donc évidemment, qu'est-ce que je dois faire avant? Finir mes examens. Donc c'est pas joli joli, c'est pas cool, mais voilà, on sacrifie le temps maintenant pour mieux profiter. La nouvelle également, jusqu'à hier nous n'en avions pas besoin pour rentrer en France, mais le gouvernement français vient de l'annoncer hier. Du coup, il faut un test PCR pour se rendre en France métropolitaine et en France tout court d'ailleurs, pour tous les voyageurs hors Union Européenne. C'est un peu relou, on va pas se mytho, c'est un peu relou parce qu'à 10 jours près j'étais rentrée, mais du coup j'espère que j'aurai les résultats à l'heure, j'espère que tout va bien, j'espère que c'est négatif, j'espère plein de choses pour ce test, mais c'est la dernière ligne droite, c'est tout ce qu'il me faut pour partir, et il me semble que j'avais filmé ma réaction quand j'avais eu les résultats du test pour partir. Pour venir ici. Et du coup, ça me stresse encore plus parce que y a beaucoup de choses en jeu. C'est-à-dire que quand je rentre, je dois faire la surprise à une amie. Donc, c'est pas trop grave, hein, vous me direz, hein, si la surprise elle tombe à l'eau. Il est vrai. Mais également, si je ne peux pas rentrer, ben, ça veut dire que je dois m'isoler 15 jours seule dans un hôtel. Donc ça ne va pas être gratuit. Bien, oui, également, si je dois rester ici, ça veut dire que je fête Noël toute seule. Bonne ambiance. Il y a pire dans la vie, on va pas se mentir. Le tout, c'est que je rentre. Voilà, avant 2022, ça serait bien. mais voilà, mon but, c'est de rentrer, déjà. Mais du coup, voilà, j'ai quelques trucs à faire. Mais cette annonce, elle m'a un peu... Ça m'a pas mis de bonne humeur. Je vais pas vous le cacher, parce que je comprends pourquoi ils font ça. Mais s'ils avaient pu attendre que je rentre, ça m'aurait arrangé. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, le nouveau variant, voilà, on évolue, le virus avec. Donc c'est sympathique, voilà. Samedi 4 décembre, il est 20h10, c'est la quatrième fois que je tourne cette vidéo parce que je n'arrive pas à m'exprimer, je suis fatiguée et je n'ai pas d'excuses, je n'arrive juste pas à m'exprimer. Bref, du coup,
Demain, direction Chicago. Voilà, clairement. C'est la dernière semaine. Donc normalement, c'est juste focus sur les examens. Mais voilà, au vu de la situation sanitaire qu'on connaît en France, j'ai très peur que les frontières referment ou quoi que ce soit. Donc écoutez, je profite jusqu'au bout. Et puis voilà, je sais plus si je vous l'avais annoncé, si le test PCR est obligatoire pour rentrer en France. Donc voilà, je vais à Chicago, je fais mon petit test PCR, je fais mes derniers examens. Et d'ici une semaine, je suis déjà rentrée. C'est passé très vite quand même, surtout le dernier mois. Mais bon, bref, je vous ferai un bilan à la fin. C'était juste pour vous annoncer que ben, je pars à Chicago demain. Petit réveil à 4h45. Super. Mais si c'est pour Chicago, je suis prête même à ne pas dormir. Hein. Ça ne me dérange pas. Bref, du coup, ben voilà. Look at how blue the water is, my god, to my god. It's like Sam. Yeah, everywhere. As it should be, it's all about me. Thank you.
Salut. Donc, nous sommes le mardi 7 décembre, il est 22h39. Donc, je reviens de Chicago, voilà. C'était extrêmement bien, j'ai pas eu le temps de vous dire qu'est-ce qu'on faisait encore une fois, où est-ce qu'on allait, qu'est-ce qu'on avait prévu, tout ça. Ben, de toute façon, vous l'avez vu dans les images, donc voilà, enfin bref. Mais c'était cool, 3 jours, ça m'a fait du bien et c'est un dépaysement total. Hein, parce que autant quand je suis allée à Orlando et Miami, ça reste la Floride, les palmiers, la chaleur, tout ça. Mais Chicago, c'est l'opposé. Hein, c'est le nord, c'est le froid, c'est le vent. Voilà, moi ça m'a fait du bien. Et je me suis sentie très bien dans cette ville, je ne vais pas mentir. Et étrangement, en 3 jours, je me suis sentie mieux qu'en 4 mois ici. C'est assez bizarre et difficile à expliquer. Mais de toute façon, cette ville, elle m'a attirée depuis longtemps. Elle a su combler mes espérances. Mais voilà, juste, c'est très bizarre. Peut-être que la Floride, ben, c'est tout simplement pas fait pour moi. Enfin, je veux dire, quand on pense à la Floride, les palmiers, la chaleur, tout ça, c'est cool. Mais pour les vacances, dans le sens où peut-être y vivre, c'est pas trop mon délire. Au moins, j'aurais appris ça, voilà. La Floride, c'est bien, mais temporairement. Enfin, là, c'est temporaire, mais à un court terme, quoi. Donc, bref, Chicago, superbe ville, vraiment. J'ai adoré cette ville. J'avais dit la même chose pour Orlando, il me semble. Mais moi, je suis quelqu'un qui adore l'hiver, qui adore le froid. Et bon, je suis pas trop fan de la pluie, mais ça ne me dérange pas non plus. Donc ça m'a fait du bien parce que en 5 mois, le froid ici on ne le connaît pas. Hein. C'est pas les 18 degrés qu'il y a à 8h du matin qui font effet quoi. Donc bref, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire, je pense. Mais voilà, retour à Tampa. Il me reste 2 examens, un demain, un jeudi. Et puis vendredi, ben, si tout se passe bien, je pars pour la France. Je rentre. Donc voilà, ça passait très vite, j'arrive pas à me rendre compte, enfin je me rends compte petit à petit qu'il reste 3 jours, mais écoutez, c'est la vie, voilà, c'est, il y a une fin à tout, voilà, écoutez, on essaie de rester positif, même si c'est compliqué, on va pas se mentir. Est-ce que j'ai pleuré dans l'avion quand j'ai quitté Chicago? Mais tout à fait, on ne va pas mentir ici, hein. J'ai pleuré, et je pleurerai sûrement jeudi en disant au revoir et vendredi en étant dans l'avion. Parce qu'on adore pleurer quand on est étudiant d'échange. C'est faux. Mais voilà. Écoutez, on sait qu'on ne vivra pas cette aventure deux fois. Et qu'on ne verra pas. Enfin, on peut toujours se dire, ouais, on se reverra dans un an quand j'irai en voyage dans ton pays ou quoi que ce soit. Mais c'est pas dans le même contexte. C'est pas sur 4-5 mois. C'est plus souvent sur 10-2 semaines. 10 jours de semaine, donc bref, c'est pas dans le même contexte, donc évidemment on sait que ce qu'on a maintenant, le contexte, les études, le campus, la Floride, tout ça, ça reviendra jamais, et du coup ben voilà, c'est pour ça que tout le monde est un peu triste, mais ça fait partie de l'aventure, hein. C'est autant, on peut être excité, avoir peur ou quoi que ce soit au début, à la fin, j'ai l'impression qu'on est tous un peu les mêmes, un peu tristes, pressés de revoir ses proches, mais tristes. Donc voilà, j'ai arrêté de parler parce que ça fait quelques minutes déjà, qu'il est 22h44 désormais, et qu'il faut que j'aille me doucher et faire plein de choses. Mais voilà, il me reste que 2 jours. Je vais déballer mon sac pour le refaire. Et puis voilà, écoutez, je sais pas si je vais filmer grand chose pendant ces 2 prochains jours. J'ai quelques trucs de prévu quand même. Parce qu'il faut que je dise au revoir quand même aux gens. On ne va pas partir comme ça sans prévenir personne. C'est un peu ce que j'ai fait en allant à Chicago, mais je savais que je reviendrais à Tampa, donc il n'y a aucun souci. Bref, je vous laisse. Bonne soirée, bonne journée. Ça dépend quand est-ce que vous regardez ça. Et puis, à bientôt. Salut. Voilà. Le moment le plus délicat. Faire les valises. Alors, c'est très long, il faut bien tout organiser,
savoir qu'est-ce qu'on prend, qu'est-ce qu'on laisse ici, parce que voilà, hein, des tas de sacs plastiques, on ne sait pas pourquoi, du chocolat. Donc bref, on va s'éclater. Bon, du coup, à la base, il y avait quand même une vidéo, mais je pleurais tellement qu'on comprenait vraiment rien à ce que je disais. Donc, je vous explique le problème rapidement. Donc, on était le 9 décembre, 18h, mon avion est le lendemain, le 10 décembre. Et le souci, c'est que j'ai toujours pas les résultats de mon Covid test, qui, je le rappelle, doit être négatif. Mais surtout, je n'ai même pas les résultats, donc je ne peux même pas m'enregistrer pour prendre mon avion le lendemain, direction Paris. Et je stressais énormément parce que je savais pas quoi faire et je savais pas de quoi le lendemain serait fait. Mais du coup, littéralement là. Bon, bah j'ai finalement réussi, j'ai eu mes résultats, c'était négatif. Donc j'ai mes cartes d'embarquement, c'est officiel, je rentre à Paris. Élise, quel jour sommes-nous ? Nous sommes... Ouh là 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 là. Attendez, je vais vous dire ça. Nous sommes le jeudi 23 décembre 2021 et il est 16h13, l'heure du goûter. C'est d'une précision incroyable. Donc, on est le 23, c'est ça ? Demain, c'est Noël. Ah oui, putain, oui. Oula. Elle a oublié. Mais aucun cadeau. Bref, ça fait du coup 13 jours, 12 jours que je suis rentrée. Parce que j'ai donné de nouvelles à personne. Enfin, vous, je vous ai un peu délaissé, hein, vous avez capté. C'est la même. Ouais, parce que je crois que le dernier plan, c'est genre, je sais plus, Charles de Gaulle. Au lever du soleil, incroyable. Bref, Élise, qui es-tu, Élise ? Je suis Élise. Bonsoir, Élise. Je suis au bout de ma vie, là, tout simplement. Où étais-tu, Élise, pendant ce semestre ? J'étais en Irlande, à Carlo. C'était incroyable. Je vais y retourner. Voilà. J'étais en Floride, elle était à Carlo. Et elle est rentrée, t'es rentrée quand ? Je suis rentrée dimanche soir. On est quand là ? On est jeudi. Ok, on est jeudi. Ça fait 4 jours. Bon, c'est officiellement la fin de ces vlogs de mon semestre en Floride. J'espère qu'ils vous auront plu et qu'ils vous auront diverti un minimum. J'ai vécu beaucoup de choses et rencontré tellement de monde en si peu de temps que le retour dans ma petite banlieue parisienne a forcément été un peu dur. Mais entre les fêtes de fin d'année et les retrouvailles, tout s'est finalement super bien passé. Si jamais vous avez l'occasion de participer à une telle expérience, s'il vous plaît, faites-le. Ça fait peur et vous ne savez pas ce qui vous attend, mais croyez-moi, ça vaut vraiment le coup et vous n'aurez sûrement pas cette chance deux fois. Enfin, je voulais terminer en remerciant toutes les personnes qui ont été là, de près ou de loin, pendant cette aventure. Que ce soit la famille, les amis ou comme Élise que vous venez de voir, les amis qui, au fil des années, sont devenus la famille. C'était pas simple au début, mais c'est surtout grâce à ces personnes que j'ai pu tenir jusqu'au bout. Alors juste merci, à une prochaine fois, et des gros bisous.